Un beau bonjour les amis, on se retrouve dans cette nouvelle capsule, eh bien pour vous parler en deux mots, n'est-ce pas, de l'archange Métatron. Qui est l'archange Métatron? Ce bel archange Métatron, eh bien, il est le plus puissant des archanges. Il est le plus près du divin et en réalité, n'est-ce pas, Métatron et son frère jumeau, Sandalphon, sont les deux archanges gouvernant la sphère de la terre. Avant de devenir un archange, eh bien, ce bel archange Métatron a vécu sur terre comme Sandalphon. Et grâce à son passé d'humain, l'archange Métatron est à même de comprendre les problématiques que nous traversons et peut-être d'un grand secours au quotidien. Son passé sur notre terre n'empêche pas Métatron de posséder un degré de pureté incroyable, lui donnant accès aux plus hautes sphères célestes. Ainsi, ce bel archange Métatron nous apporte la compréhension du monde supérieur et se pose en régisseur de nos désirs. Il nous permet de créer un monde à notre image et selon nos souhaits. Et l'énergie qu'il nous transmet nous invite à donner naissance à un univers nouveau. La couleur de ce bel archange Métatron est le vert foncé. Prière à ce bel archange Métatron. Cher archange Métatron, de tout mon cœur et avec la plus grande gratitude, je t'invoque aujourd'hui pour te demander ton aide. Aide-moi, je t'en prie, à accepter mon hypersensibilité et à en faire ma plus belle force. Aide-moi, je t'en prie, à trouver ma place dans ce monde de chaos et permets-moi d'incarner avec dignité qui je suis vraiment. Insuffle-moi, je t'en prie, la force de continuer malgré les difficultés rencontrées. Ravive en moi la lueur d'espoir et cette foi sans faille qui me permettra d'avancer malgré l'obscurité. Aide-moi, je t'en prie, à trouver le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Aide-moi, je t'en prie, à mettre des limites pour honorer et respecter mon être véritable et essentiel. Fais-moi comprendre dans un murmure la grandeur de tout ce que j'ai accompli, même si mes frères humains ne voient ni n'entendent rien. Donne-moi le courage et la persévérance quand cela m'est nécessaire et aide-moi, je t'en prie, à lâcher prise quand l'effort est inutile et en vain. De mon âme à ton âme, je t'aime et je te remercie. Remerciez-le avec une petite prière que vous lui adressez. Bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message de ce mardi 10 mai 2022. J'espère que vous allez toutes et tous bien.
toujours accompagné de notre bel archange Métatron. Et on terminera avec l'énergie de guérison. Et avant de commencer, je répète, tout passe par la pensée, vous vous dites ça tous les jours. J'ai le choix de nourrir le positif en moi ou de nourrir le négatif, et le plus fort est celui que je nourrirai le plus. Et croyez-moi, ça marche, ça marche. Je peux vous dire que ça marche. J'en ai encore eu l'exemple la semaine passée. En ayant la pensée positive. J'ai pigé aujourd'hui Ascension dans le jardin divin. Le moment est venu d'accueillir l'énergie divine et de vous laisser transporter dans un nouvel univers. Ne résistez pas à cette vague d'amour et consentez à élever vos énergies pour rejoindre le jardin divin. Vous êtes entouré d'abondance, accueillez-la et remerciez-la. Vous savez que c'est important de toujours remercier lorsque vous faites une demande. Eh bien, on a l'impression que certains d'entre vous est sur le point d'éclairer toute votre vie. Waouh ! Les derniers jours et les dernières semaines que vous avez passées ont paru sombres et vous avez ressenti de la tristesse et divers malaise physique. Ce que vous avez vécu était assez lourd pour vous. Mais aujourd'hui, présentement, c'est maintenant terminé. Vous entrez dans une nouvelle phase de votre existence et tout ira pour le mieux. Pour certains d'entre vous, vous verrez vos rêves se réaliser. Mais pour cela, vous devrez avoir la foi et être sûr que vous méritez de belles, belles, belles énergies dans votre vie. Pourquoi vous vous apitoyez sur votre sort ? Cessez de vous apitoyer sur votre sort et faites le ménage de vos pensées négatives. Désormais, toutes les portes s'ouvrent devant vous. À vous d'accueillir cela. Soyez confiant et persévérer afin d'atteindre, eh bien, tous vos objectifs que vous vous êtes fixés. C'est pas compliqué, c'est le moment que vous devez, le moment est venu d'agir. Présentement, le moment est venu d'agir. Alors, allez-y sans crainte. Pour certains d'entre vous, parce qu'évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Pour d'autres, eh bien, vous êtes attirés par une formation en herboristerie ou en aromathérapie. Eh bien, le moment est venu de prendre cette formation. Ça vous sera très très salutaire. Si maintenant certains d'entre vous attendiez un signe pour prendre une décision,
Eh bien, cette carte que j'ai pigée aujourd'hui vous dit allez-y, allez-y. Ne pensez plus à ce qui s'est déroulé hier. Concentrez-vous sur maintenant, sur aujourd'hui. Concentrez-vous sur ça. C'est aujourd'hui le plus important. Hier, on ne sait plus rien faire. C'est passé. C'est une magnifique carte encore, je trouve, hein, l'ascension dans le jardin divin, ce beau jardin divin. Alors, on va terminer avec l'énergie de guérison. Et j'ai pigé la carte briller. Par le travail intérieur, je transforme mes peurs en force. J'élève mes pensées au-dessus de tout doute et retrouve la foi en la bonté de l'univers. Je m'aime, bien sûr que je m'aime, et m'accepte en tant qu'âme et découvre toute la lumière qui m'habite. Vous voyez, la lumière brillez par, faites cette formation, vous allez briller. Vous attendiez un signe, c'est le beau moment, la lumière est là, brillez. Vous attendiez que vos rêves se réalisent, brillez. Quelle belle synchronicité, n'est-ce pas? Alors moi je terminerai, n'est-ce pas, par... Eh bien, tout passe par la pensée, mets de la lumière dans ta vie, sois optimiste, lève-toi le matin et remercie pour la belle journée que tu vas passer. Je vous souhaite une très jolie journée. On se retrouve demain et d'ici là, je vous embrasse. Portez-vous bien. À demain.